Alors salut tout le monde chers amis, c'est Sanlin, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Portal 2. Donc la dernière fois on était arrivé dans cette espèce de grand complexe souterrain, donc un ancien Aperture Science. Et on a ici présent du coup Cave Johnson. Let us know, d'accord. Because that means it's about to hit 500 degrees, so we're gonna need to go ahead and get that out of you pretty fast. D'accord, ok, c'est intéressant ça. Bah du coup, ici présent, Kev Johnson, j'allais dire, qui est donc celui qui va, qui va nous commenter les tests qu'on va faire de cette fois-ci. Ce qui est très particulier, puisqu'en fait, Kev Johnson, c'est un mec un peu, un espèce de savant fou, un peu bizarre, qui est obsédé par la réussite et qui s'en fiche complètement des conditions humaines de ses employés. Je vais essayer de balancer. Ah bah, d'accord, intéressant. L'eau et nettoie, d'accord, l'eau nettoie en fait le. D'accord. Donc ça nettoie le truc bleu. On va en mettre là alors. Je peux atteindre. Non, je peux pas. Comment on va passer par ici? C'est ça une vraie question. Tout tu l'eau. Parce que je peux pas tout simplement passer moi-même. Non, je peux pas, ça sert à rien. Ah, par contre, je peux. Ouais, je peux prendre de l'élan, on dirait. Ouais. Du coup, l'objectif ici, c'est que ce bouton puisse être atteint. Donc, ce qu'on va faire, c'est. On va utiliser le truc bleu. C'est bon, on a réussi. Hop là, et on va pouvoir passer. Et c'est bon. Ok. Ok. D'accord, ici je vais là, est-ce que ça change? Ok. Donc il y a une espèce de fuite par ici, il va falloir profiter de la fuite pour monter là-haut. Je pense qu'il faut faire ça. Voilà. Ensuite, faire ça. Voilà. Et c'est parti. Et voilà, c'est bon. Ok, on va continuer l'exploration. Il y a beaucoup d'endroits très étranges par ici, on dirait. Alors, toi, tu vas avoir mal. Kuroko ne doivent pas... D'accord. D'accord, en gros, c'est moi qui vais avoir mal, mais par contre, la compagnie n'y est pour rien. Voilà, c'est pas la science, tout ça. D'accord, ok, j'ai compris le message. Alors, d'accord, là, clairement, ici, le jeu est en train d'indirectement me dire d'aller, voilà, d'aller par là. Par contre, par ici, c'est intéressant. Ce que je vais faire. Ce que je vais faire, je vais faire ça. Et on va voir si je peux me projeter. Et voilà. C'est bon, tout simplement. C'est très bête. Du coup, on est arrivé ici. On va monter là et là. Voilà, on va pouvoir monter par ici. D'accord. D'accord. Ok. D'accord. Ok, je vais récupérer le truc bleu. On va voir ce que ça change. Wow. Wow, wow, wow. Ça s'est rebondi dans tous les sens. Ah, c'est volatile. Ah, c'est un poil dangereux, hein. Ça va pas s'arrêter de sauter, je crois. On va le récupérer avant que ça qu'il se passe n'importe quoi. Je vais essayer de le laver, voilà, pour éviter les problèmes. Vas-y. Voilà, merci. Alors, on va le mettre, du coup, sur le... Voilà, le bouton. D'accord. Falloir réussir à monter à partir de là. Voilà. Je vais remonter sur la plateforme. Et cette fois-ci, s'il te plaît, ne tombe pas. Voilà, merci. Allez, on peut continuer. D'accord, ok. Au revoir. Du coup, il a décidé de virer quelqu'un, on dirait. Oula. The simple fact that you're standing here listening to me means you've made a glorious contribution to science. Dois peut-être aller là-bas, je crois. CEO of Aperture Science, I thank you for your participation and hope we can count on you for another round of tests.
We're not going to release this stuff into the wild until it's good and damn ready, so as long as you keep yourself in top physical form, there'll always be a limo waiting for you. D'accord. Goodbye, Carolyn. She is a gem. D'accord. For your participation, d'accord. Du coup, le fameux Cave Johnson. Ok. Et on va essayer de progresser. Et on peut pas progresser. D'accord, apparemment je peux pas ouvrir ce genre de porte, ça a été condamné. Et je peux pas aller plus loin. Y a pas un endroit où je peux placer un portail. Juste ici. D'accord, en fait le jeu a calculé que j'allais aller tout droit puis ensuite faire demi-tour, donc du coup il a placé là. Alors j'avais placé du coup le portail bleu ici. Je peux pas monter plus haut. Peut-être. Je sais pas. Non, je pense pas. Est-ce que cette porte s'ouvre? Ça c'est la question. Ouais, elle s'ouvre. Et encore une salle des machines. Oh là là, il y en a beaucoup. Hop là. Et voilà, c'est bon. Il fallait juste jouer un petit peu avec l'inertie comme d'habitude. Hein. Je vais activer les leviers parce que je sais pas à quoi ça sert. Il y en a un qui est orange, un qui est bleu. Je sais pas à quoi ça sert, on les active dans le doute. C'est quoi ça? C'est une machine à café? C'est une vieille machine à café cachée dans les profondeurs. Allez, c'est parti. On y est. On va continuer de progresser, hein. Salle de contrôle, ok. Greetings, friend. I'm Cave Johnson, CEO of Aperture Science. Okay. You might know us as a vital participant in the 1968 Senate hearings on missing astronauts. D'accord, ça and you most pas. Likely used one of the many products we invented, but that other people have somehow managed to steal from us. Black Mesa can eat my bankrupt... Sir, the testing? Right. Now you might be asking yourself, Dave, just how difficult are these tests? What was in that phone book of a contract I signed? Ah, classique, faut que je passe par le haut. Questions with a question. Who wants to make $60? Cash. You can also feel free to relax for up to 20 minutes in the waiting room, which is a damn sight more comfortable than the park benches most of you were sleeping on when we found you. So, welcome to Aperture. Allez, c'est parti. You're here because we want the best. Bon. C'est raté. Nope. Couldn't keep a straight face. Anyway, don't smudge up the glass down there. In fact, why don't you just go ahead and not touch anything unless it's test related. Si je faisais l'inverse et j'allais par ici. Alors attendez, on va faire ça. Genre là, normalement, si je calcule... Voilà, hop, on va essayer de faire comme ça. Allez. C'est bon, il n'y avait pas de raison. Salle de contrôle. GLaDOS. Elle est où? Ah, elle est là. L'oiseau est là. Il me picore, d'accord. Ok, GLaDOS. D'accord. C'est raté, je te fais pas confiance. Ok, allez, c'est parti. De toute façon, on va le cacher un bouton. D'accord, bah du coup, on a patate GLaDOS sur notre portail. Fais gaffe. La pauvre GLaDOS. Réduite à l'état de patate. Si je peux aller là... C'est parti. Et normalement ça marche. Ouais, c'est bon. Et on y est. Du coup, patate GLaDOS avec nous cette fois-ci. La réunion, chapitre 7. Oui, Kev Johnson.
Carolyn, are the compensation vouchers ready? Yes, sir, Mr. Johnson. Putain. Ouais, tu réfléchis trop. Alors. Hop là. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi c'est rangé? Alors attends. Je me souviens d'un truc comme ça en fait les gens. Mais il faut quand même. Il y a quand même un interrupteur ici. Faut peut-être placer un cube dessus, je sais pas. Bon. Alors on va tenter de faire quelque chose. Il me semble que c'est ça, ouais. Ouais, ça accélère, c'est ça. Alors c'est bleu là-bas. Bon. Si c'est bleu, ça veut dire qu'il va falloir qu'on remonte. J'ai peut-être une idée, on va placer le portail bleu ici. On va foncer. Vas-y, on refait le saut. Et du coup, on atterrit par ici. Ok. Maintenant que ça c'est fait. On remet un autre portail. Et on envoie. Voilà, parfait. On va pouvoir descendre. C'est parti. Et je dois refaire la même chose ici maintenant. Bon, faut que je récupère ça. Voilà. Ensuite, faut que j'aille là. C'est parti. Et on va placer le cube et on devrait être bon. Alors. Et je glisse jusqu'en haut. Sauf que là, ici, on a encore un truc. Faut placer un portail ici. Putain, c'est très long. Alors. Il faudrait peut-être que je prenne de l'élan en fait. Alors attendez, on va faire ça. C'est parti. C'est pas assez haut. On va refaire pour vraiment accélérer le plus possible. Voilà, tout en haut. Ça a marché, ok. Maintenant. Là je cours et on devrait être bon. Oh là là. C'est difficile. Moi aussi. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe. C'est un peu compliqué parce que là le jeu devient un peu plus difficile. Ok, donc celui-là envoie un truc bleu pour rebondir. Que je vais avoir besoin ici. Je dirais. Sauf qu'il faut qu'en même temps j'accélère. Et pour accélérer, c'est un peu raté. Après, pour accélérer, je peux faire ça. Hop là, c'est parti. Vas-y. Ok, parfait. Il a fait ce que je voulais qu'il fasse. Ensuite. C'est parti. Et là, l'extrémité est de couleur bleue, ce qui veut dire qu'on va pouvoir accélérer et sauter. Et voilà. Tout simplement. Sauf que c'est pas suffisant. Parce qu'il va falloir faire ça depuis une certaine hauteur. Donc on va refaire le saut. Donc là c'est un portail bleu, c'est-à-dire que le portail qu'il faut placer c'est un portail orange. Voilà. On va replacer un autre portail orange là-bas, et on refait le saut. Allez. Et voilà. Ouh là là. D'accord. Ok. Kratos ne peut pas réfléchir correctement en fait. Bon les gens, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un like et vous abonner à la chaîne comme toujours. J'ai beaucoup aimé du coup l'enchaînement en fait du scénario et Kratos en forme de patate qui est maintenant greffé sur notre portal gun. Du coup on est en compagnie de celle qui a tenté de nous tuer, qui nous accuse d'avoir tenté de la tuer. Bref, c'est n'importe quoi en fait, une espèce de tentative d'assassinat mutuel. Voilà, c'est un peu bizarre. Bref, et du coup on est obligé de travailler ensemble maintenant pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe par ici. Peut-être qu'elle nous aidera à
nous sauver du coup de Weasley qui menace en fait de faire exploser Aperture Science tout en haut. Sauf que nous on est vraiment tout en bas là, on est vraiment dans un vieux laboratoire et en vrai je pensais vraiment pas que GLaDOS allait survivre, mais j'avais complètement oublié cette partie du scénario. Mais voilà, en tout cas merci à vous d'avoir regardé la vidéo et sur ce, ciao tout le monde.